Bon, on est où là? On est à la station Arbatskaya, on va prendre la ligne de train. On rentre dans le métro à Moscou. Alors ça ressemble à ça le métro. Voilà. Allez, un petit street walk dans le métro. Allez. On prend la petite carte. Troïka. Ah, ça c'est la carte de transport, ça? Ouais, exactement. Voilà. Alors, si ça marche. Est-ce que ça marche? Dis donc, c'est moderne comme partout, ça. Et ça marche. 57 roues, ça fait 50 centimes. 50 centimes? Ouais. Bon, là on a les entrées un peu cathédrales, les métros. Et là, ça va être le plongeon. Ah, ça va être le plongeon. Ça va être le plongeon. C'est un peu plus profond que la station Place des Fêtes. C'est un peu plus profond. On descend fort là. Ça a été construit pour résister à des frappes, à des attaques aériennes de bombardement, en défense territoriale. C'est très profond. On remarque aussi qu'il y a un peu de publicité. Oui. Ah, voilà. Pas de pub. Et c'est comme dans la rue de Moscou, mais là, c'est... Ah oui, la rue de Moscou, il y a un parc où c'est flashy, ça flash. Mais là, non, c'est... Ah ouais, c'est une séquence un peu longue, parce que c'est des longues descentes. C'était aussi construit en profondeur pour éviter le... éviter de se creuser dans des terres. Les escalators fonctionnent. Si ça ne fonctionne pas, c'est un peu pénible. Regarde, un système intégré, il n'y a pas. Le métro de Moscou, c'est un peu comme à Tokyo, il y a tous les corps de métier. Oui. Donc des gens dans les cahutes, les surveillances, mais la pose de rails, l'électricité, la maçonnerie. Ce qui fait que. C'est un peu plus fonctionnel, une fois comme au Japon, hein, c'est pas spécialement un truc russe, c'est nous qui externalisons un petit peu nos activités dans nos entreprises, et ça, c'est chaotique. Voilà, donc on arrive enfin, après une longue descente dans la station de métro, enfin plutôt dans les couloirs. Ah, ceux qui connaissent Dune de David Lynch, il y a un petit côté David Lynchien là. Ou alors il s'est inspiré pour son film Dune. Et donc on arrive dans le métro Arbatskaya sur la ligne bleue. Alors un peu on nous regarde comme des ovnis quand même, parce que je crois qu'on est les derniers à avoir des fourches télescopiques. Les téléphones. C'est le Kronskaya ou Piatinskaya? Alors nous on prend ici c'est côté. Donc voilà, ici c'est un système avec plateforme centrale et les stations et les métros des deux côtés. Bon, on va pas faire deux stations de métro comme ça. À tout à l'heure.